Depuis tout petit, vous rêvez d'adopter un jeu fourbe sur Call of, mais vous n'avez jamais trouvé la solution, alors ce tuto est pour vous. Le piège à Noob. Afin de réaliser la technique que j'appellerai la technique de base, il vous suffit de vous munir d'un système Trophy et d'une bétille abondissante. Il vous suffit ensuite de déposer votre système Trophy par terre comme toute personne sensée, puis d'y glisser votre bétille abondissante en dessous de ce dernier. Toute personne normalement constituée qui passera devant ce mécanisme se dira: chouette, un trophy. Je vais lui niquer. À ce moment-là, l'adversaire se dira qu'il a affaire à un petit fourbe. Seconde technique de fourbe, cette fois-ci pour les plus méritants d'entre vous, la technique la plus technique. Cette dernière se déroule avec une insertion tactique à la place de votre système trophy. Il vous suffit de poser votre insertion tactique dans un coin assez fréquenté ou beaucoup vu par les ennemis. Ajoutez sur votre insertion une bétille abondissante. Un bon adversaire préférera annuler votre insertion plutôt que de rester devant viseur fixe. Il se dit maintenant qu'il a affaire à de véritables fourbes professionnels. Sachez que ces deux clips ont été réalisés dans la même partie au bout de quelques minutes de jeu seulement. Posez votre système trophy avec une bétille abondissante en dessous de celui-ci comme nous l'avons vu avant, et jouez normalement, un abruti viendra forcément cutter votre système trophy, ce qui vous procurera un kill de plus. En ce qui concerne le deuxième clip, comme nous l'avons encore vu, posez votre insertion dans un coin avec une bétille abondissante. Un autre abruti viendra aussi enlever votre insertion. Vous êtes maintenant un vrai fourbe.